Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et la déontologie chrétienne. Bonjour, pasteur Isaac. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Darius. Bonjour pasteur apôtre. Gentil. Bonjour, dans cette série, on est en train de parler des pensées et on a dit des choses très intéressantes aux internautes et aux téléspectateurs à la dernière émission. On a montré le rôle des pensées et on va continuer à leur montrer le rôle des pensées. Effectivement, l'apôtre, on a été très bénis, je pense, les internautes aussi, au travers de la première émission. On a vraiment insisté sur le fait que Dieu nous a donné la pensée pour créer, pour asseoir notre vision, rendre notre vision dynamique. Mais en même temps, la pensée nous a été donnée pour nous permettre d'édifier notre foi. Parce que nous avons également dit que le langage, le parler est un véhicule des pensées. Et nous avons, dans le même élan, dit que la pensée est une image qui a du sens, ainsi de suite. Donc, vraiment, on a vu pas mal de choses dans ce sens. Merci encore, apôtre, pour l'opportunité. C'est vrai que, comme pasteur Isaac disait, on a beaucoup parlé de la pensée, on a même donné des définitions de la pensée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs personnes ont une idée de ce qu'est la pensée. On a parlé de la créativité, justement, le fait que Dieu nous a donné la pensée pour créer notre monde et pour également apprécier, peut-être même modifier certaines choses qui ne nous plaisent pas, en fait. Et du coup, dans ce même sens, effectivement, merci beaucoup, apôtre, effectivement, pour l'opportunité. On a parlé d'organiser ses pensées et de réfléchir avant de parler. Donc, moi, j'ai trouvé ça super pertinent parce que il faut savoir que lorsqu'on parle, très souvent, beaucoup de personnes vont se dire « Non, je dis ce qui me passe par la tête. » Oh là là. Alors qu'on peut réfléchir avant c'est de parler. C'est de l'indiscipline. Exactement, c'est de l'indiscipline. Voilà. C'est de l'indiscipline et de l'immaturité. C'est ça. De dire ce qui me passe par la tête, moi je dis. Et les gens prennent ça pour de la franchise. Mais ce n'est pas de la franchise, ça frise la bêtise. Parce que, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est de la bêtise, c'est de l'immaturité. On ne peut pas dire ce qui nous passe par la tête. Parce que, en fait, tout ce qui nous passe par la tête ne vient pas forcément de nous, en fait. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ça, les pensées du diable, les pensées de Dieu et les pensées des hommes? Mais effectivement, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est même manquer d'intelligence. Je pense qu'on l'a dit un peu dans l'autre émission, c'est que l'intelligence va nous permettre de, comment dire ça, de mesurer l'impact de ce qu'on va dire, finalement. L'impact de ce qu'on va dire, c'est pour ça que l'intelligence va nous permettre d'agencer des idées, de mettre des choses en place, de filtrer ce qu'on va finalement dire. Parce que par la sagesse, on peut percevoir. La sagesse nous permet d'être inspiré, mais c'est l'intelligence qui, finalement, va nous permettre de libérer, de dire, tiens, voilà ce que je veux dire, ça aura tel impact. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le Seigneur veut que nous puissions manifester sa gloire sur la terre. Il veut vraiment que son royaume se répande partout sur la terre. Et le meilleur moyen, ou du moins le moyen pour que ces informations ou ces actions se manifestent sur la terre, c'est par les pensées qu'elles vont passer. Du coup, on aura les conceptions, on aura les pensées, ensuite on va les matérialiser. Mais également, le diable aimerait que nous puissions aussi, que son règne à lui aussi puisse se manifester sur la terre, en fait. Et puisse demeurer. Et donc, du coup, il va y avoir comme une guerre de pensées où le Seigneur va nous envoyer des pensées, le diable va nous envoyer des pensées, il va avoir aussi notre culture qui va nous envoyer des pensées, notre société, et puis il y a nous-mêmes qui allons aussi envoyer nos pensées, c'est-à-dire qui allons créer nos propres pensées. Donc dans tout ça, nous devons être capables de réussir à identifier les pensées qu'on doit garder de celles qu'on ne doit pas garder. Donc du coup, comme tu disais, ça frise vraiment la bêtise que de dire tout ce qui nous passe par la tête. Parce que qui te dit que ce n'est pas une pensée qui vient de ta culture, ou bien de la société, ou bien même du diable, en fait. Alors que les pensées que nous devons véhiculer, c'est les pensées de Dieu. Et même il faut, pardon, que l'apôtre parlait de bien faire la différence entre les pensées de Dieu, les pensées du diable, peut-être les pensées des humains. Il faut, dans cet élan-là, il faut qu'on sert même parfois que les pensées du diable ne sont pas forcément des mauvaises pensées. Parce que dans ça, il y a également la motivation. Parce que c'est important, je réinsiste ce que Dieu va dire dans Éphésiens 4. Explique bien, parce que j'ai pas envie qu'on coupe cette partie-là et on te demande. Les pensées du diable ne sont pas des mauvaises pensées. Voilà. Vous voyez,
Vous voyez ce qu'il dit? Non, voilà, explique parce bien, que il faut comprendre que parfois, le diable va même citer la parole de Dieu. Mais sa motivation n'est pas bonne, en fait. Et je pense que c'est pour ça que Dieu va souvent dire, en disant, par exemple, la vérité avec amour. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que ça aura de l'impact. C'est vrai. Et je pense que c'est toujours... Il faut que ça revêle le caractère de Dieu. Donc, quand on parle de la pensée du diable, la pensée de Dieu, la pensée des humains, ou bien ce qu'on va dire, c'est lié à la motivation. Pourquoi on veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Et c'est là où peut-être quelque part, on pourra peut-être revenir même sur les émotions finalement. Émotions qui revêtent ce qu'on dit, nos pensées. Donc c'est important également. Moi, je pense que pour faire une distinction effectivement entre ça, lorsque Jésus va dire dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, de là proviennent également les pensées du diable. À chaque fois, bon, très souvent, lorsqu'il y a des pensées de destruction, ça veut dire que très souvent le diable est derrière. Pourquoi je dis très souvent? Parce que des fois le diable a déjà installé son système de pensée et l'homme lui-même produit maintenant ce système de pensée une fois qu'il l'a accepté. Donc il faut savoir que les pensées de destruction vont très souvent être attribuées au diable. Et la pensée de l'homme va être très souvent lié à sa conception. Le pasteur Darius en a parlé, je pense, à l'émission précédente où il parlait de l'environnement, il parlait de la culture. Des fois, nos pensées vont émaner de notre culture. Et Jésus va dire aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Là, ce n'était pas forcément le diable. Leurs traditions produisaient un certain système de pensée aussi. Donc, les traditions, les mauvaises conceptions peuvent aussi générer un système de pensée. Et les pensées de Dieu vont être toujours des projets de paix et non de malheur. C'est pour ça que dans Jérémie 29, 11, il va dire, car je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc les projets, les pensées de Dieu auront très souvent tendance à nous emmener au succès, à un avenir et de l'espérance. Et des pensées qui vont nous construire pour révéler l'homme intérieur au travers de notre esprit, l'homme que Dieu a conçu. Et en parlant même des pensées des hommes, lorsqu'on va voir David, lorsque David va avoir l'idée de construire le temple, il ne s'agit pas ici de la pensée de Dieu. Très souvent, tu nous l'as dit. Parce que Dieu va dire, tu as eu une très bonne pensée, mais c'est ton fils qui va construire ce temple-là. Donc, dans la pensée de l'homme, il faut savoir aussi que ça peut venir du logiciel, je vais dire ça comme ça, qui a été installé. Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu aussi qui est derrière cette racine-là? C'est vrai qu'au départ, dans cette émission, je voulais qu'on puisse parler en fait, des idées. On va vous parler de ça, ne vous inquiétez pas. On va vous parler de comment avoir des très bonnes idées, la richesse des idées, toutes ces choses-là. Mais je trouve vraiment important qu'on puisse s'arrêter sur ce point, sur les pensées qui sont autogénératrices. C'est pasteur Isaac. Oui, ce que je voulais également ajouter, la Bible va dire tout ce que vous faites et en parole ou en pensée, faites tout au nom de Jésus. Et on comprend ce mot au nom de Jésus. Le nom, c'est nomos. Ça a trait au caractère, en fait. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention. C'est vrai qu'on va vouloir tout attribuer au diable. Comme le pasteur Gentil a dit, le diable va être vraiment la source, un peu. C'est ça, la nature, la destruction. Mais on peut aussi favoriser ça. Ça veut dire, si on n'a pas un bon caractère, c'est pour ça que Dieu insiste sur l'amour, nos dispositions de cœur. Parce que le diable ne rentrera pas, il n'est pas plus fort s'il trouve le caractère de Christ en nous. On ne pourra pas véhiculer finalement ses pensées. Moi, je pense c'est important de comprendre que la pensée est autogénératrice. C'est-à-dire que vous ne devez pas tout le temps accuser quelqu'un pour les pensées que vous avez, en fait. Vous savez, ou attribuer toutes nos pensées à Dieu. Parce que toutes nos pensées, ce n'est pas forcément Dieu. Et toutes nos pensées, ce n'est pas forcément le diable. Il y a aussi notre système de pensée. Parce que notre pensée est autogénératrice. C'est-à-dire qu'il y a des pensées que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que des très bonnes pensées que vous pouvez avoir, Dieu va dire, oh, elles sont géniales, vos pensées. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la capacité de penser. Et maintenant, quand notre système de pensée est mauvais, on peut aussi avoir des pensées mais machiavélique et méchamment génial, un point où Satan appelle ses démons et dit non, lui c'est un bon gars, venez voir, suivez son exemple. Vous voyez ses pensées, c'est vraiment comme ça que j'aimerais que vous puissiez penser. La faute, quand tu dis ça, il y a quelque chose, il y a un passage biblique où Dieu va dire la profondeur appelle la profondeur au bruit de tes ondées. Je pense que parfois Dieu peut nous donner au départ des bonnes pensées, mais après,
effectivement, on devient productif, on est inspiré, ainsi de suite. Mm-hmm. Je pense que c'est la même chose avec le diable. C'est ça. Le diable peut d'abord donner une semence, et puis ben, après, on produit, on va dans le même sens. Et je pense que, comme tout à l'heure, je parlais du fait que le Seigneur veut nous influencer dans notre façon de penser pour la manifestation de son royaume, et le diable aussi, d'ailleurs, il essaye. Mm-hmm. Je pense qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir nous éduquer. Mm-hmm. Dieu veut nous éduquer pour que nous puissions avoir une certaine éducation et que nous puissions développer sa façon de fonctionner, que nous puissions être autonomes et fonctionner comme la Bible d'ailleurs va dire tel il est, tel nous sommes. Mm-hmm. Maintenant, nous devons comprendre que les pensées que nous allons choisir ou d'installer ou bien d'accepter vont influencer notre attitude, j'allais dire behavior, c'est-à-dire notre façon de nous comporter. Ouais, ouais. La Bible va dire dans Jean 15, 4, 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Autrement dit, si vous avez la même façon de fonctionner que moi, si vous avez les mêmes concepts que moi, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Pourquoi ? Parce que vous allez être comme moi, en fait. Amen. Vous allez fonctionner comme moi. Vous allez dans ma classe, comme le pasteur Isaac disait la dernière fois. Et je pense que c'est ça que nous devons comprendre, que... Dieu ne veut pas forcément nous téléguider comme des marionnettes. Il aimerait juste nous communiquer une façon de fonctionner. Il aimerait toucher notre conception de pensée pour que nous puissions développer, avoir des pensées qui sont autogénératrices, mais qui fonctionnent comme Dieu aurait fait, en fait. Mais apôtre, pour aller dans la même lancée, moi, ça me fait penser à quelque chose pour revenir sur ce que tu disais. Lorsque on voit Judas, durant tout le ministère de Jésus, qui, lorsque, par exemple, la femme avec le vase d'albâtre qui va venir casser, la Bible va nous dire que Judas, justement, va dire, mais on aurait pu donner cet argent aux pauvres. Ce n'est qu'après que la Bible va dire, le diable entra en Judas. Donc, on voit que son système de pensée déjà était mauvais et a ouvert des portes au diable pour que le diable puisse entrer. Donc, ça veut dire que, comme tu disais exactement, le diable n'est pas forcément tout le temps là, mais le fait que nous ayons des prédispositions va faire que soit ça sera le diable, soit Dieu qui va venir nous influencer. Et même, c'est la même logique pour le salut. Parce que si j'ai déjà des prédispositions, c'est plus facile, lorsqu'on me prêche l'évangile, de donner ma vie à Christ ou pas. En fait, tout est une question même du système de pensée. Les gens, avant même d'accepter Christ, lorsqu'on analyse bien, on va voir que les personnes vont commencer à se poser des questions sur l'au-delà, des questions sur le monde invisible. Et à partir de ce moment, lorsqu'on vient annoncer l'évangile, ces prédispositions vont faire que le message va plus facilement passer. Et c'est ce qu'on appelle finalement le caractère, et beaucoup, je pense, théologien, je ne sais pas ce que l'apôtre pense, beaucoup disent même, en fait, Judas n'était pas prédestiné à trahir Jésus. Mais en fait, c'est le caractère, il parle de prédisposition, effectivement, c'est son caractère qui a facilité l'action du diable. C'est ça. Voilà. Non, c'est ça, hein, Judas n'était pas prédestiné. Les prophètes ont dit l'un des douze. L'un des douze, en fait. Ça pouvait être Matthieu, ça pouvait être Thomas, ça pouvait être Pierre. Voilà, voilà. Donc, le truc, c'est le mindset. Combien de fois c'est important, en fait, le système de pensée. Et justement, en parlant du système de pensée, parce que pourquoi nous faisons cette étude sur les pensées? Parce que c'est très important. La réussite de votre vie dépend de ça, en c'est fait. Ça dépend de ça. De ça. Et vous êtes responsable des pensées que vous acceptez ou que vous générez. Donc, il faut arrêter de remettre la faute sur les autres. Moi, je pense que le succès d'un individu commence par ses pensées. C'est vrai. Donc, il faut tout simplement prendre au sérieux ses pensées et les traiter de la bonne façon et de telle sorte qu'elles puissent vous produire les résultats escomptés, le succès escompté. Je voulais lire un passage biblique rapidement dans Luc chapitre 1, à partir du verset 17, on parle bien sûr de Jean-Baptiste. C'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie. Et il dit au sujet de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie qui va naître, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » L'expression « sagesse des justes » ici signifie littéralement « système de pensée ». Les justes ont un système de pensée. Il y a une façon de penser. Et c'est ce système de pensée que Dieu aimerait que nous puissions avoir. Quand vous avez un système de pensée, sachez que si vous avez un bon système de pensée, ce système de pensée va générer toujours des bonnes pensées. C'est ça. Si vous avez un mauvais système de pensée, il génère
générera toujours des mauvaises pensées. Donc, si vous avez un système de pensée des justes, il générera toujours l'intelligence, la sagesse et ce qui peut vous amener à penser correctement. C'est vrai. Et je pense, du coup, ça va dans le sens de ce que tu disais, apôtre, c'est qu'on ne peut pas accuser d'autres personnes sur nos pensées, en fait. Parce que si tu penses comme ça, c'est que c'est ce que tu as créé ou c'est ce que tu as accepté. C'est ce que tu as créé ou accepté. Et l'une des choses que j'ai beaucoup aimé lorsque je suis né de nouveau, c'est le fait que j'ai eu le choix. J'ai pris conscience que j'avais le choix de décider et de prendre certaines choses ou bien de les refuser. Parce que pendant longtemps, je me suis toujours dit, bon, on n'a pas le choix. On subit les choses. C'est pas de ma faute. Je suis né dans un certain milieu. Il y a eu la guerre dans mon pays. Donc, ça a créé des choses en moi. Je n'ai pas le choix. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai pris conscience que j'avais le choix. Je pouvais accepter ou refuser certaines façons de penser. Et ça m'a vraiment libéré. Parce que c'est là où je me suis dit, je choisis d'être heureux. Je choisis d'être dans la paix. Je choisis les bonnes pensées. Et du coup, lorsqu'on a des mauvaises pensées qui arrivent, on a vraiment la possibilité de dire non, je refuse de penser comme ça, aussi forte qu'elle puisse, être. Parce que des fois, il y a comme quand même une force qui vient avec les pensées. Il y a des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de penser d'une certaine façon. Mais je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire, comment tu t'es éduqué. Comment tu as été, t'as éduqué tes pensées. Et du coup, plus l'éducation est profonde et forte, plus tu auras du mal à mettre un stop à ce type de pensée négative, en fait. Ça se voit lorsque... On prend par exemple l'histoire de Joseph. Joseph va être vendu par ses frères, ainsi de suite. Lorsque Joseph va retrouver ses frères, Joseph va dire, c'était pour le plan de Dieu que tout ça s'est passé. On voit l'excellence de son système de pensée. Joseph aurait pu dire, oui, vous m'avez vendu, vous êtes mauvais, et tout, et se venger. Mais Joseph avait tellement un système de pensée excellent qu'il a retourné la situation. Il aurait pu dire, vous êtes méchant. Le puits. Pourquoi le puits? Tu ne pouvais pas penser au puits. J'étais dans le noir. C'est pas possible. Il aurait pu revivre étape par étape. Il aurait même pu dire, le fait que vous soyez là et que je sois premier ministre, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Donc je dois me venger. Dieu me donne l'opportunité de me venger. Et c'est vrai, en fait, il n'a pas été comme ça. Et c'est son système de pensée qui était très bon. Et ça révèle un peu la discipline qui était derrière ces activités dans le secret. Je pense, comme l'apôtre vient de parler de Luc 1 et tout ça. Bon, le mindset, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, qui se bâtit. C'est comme à l'une des émissions, je pense que simplement cette étude est importante, parce que ça permet aux gens de comprendre que tiens, si je agis comme ça, certainement il y a des pensées que j'ai laissées passer, aussitôt se recorriger, c'est vraiment important. Ça nous permet d'avoir les clés dans la main et ne pas accuser les gens de peut-être son échec, ainsi de suite. Et ça, c'est important, parce que là, on tend toujours à dire c'est la faute de tel, mais si on sait, on comprend ces choses-là, on saura se rectifier, dire que le mindset, c'est quelque chose qui s'établit. Mais tu sais, je pense essentiellement des pensées positives. On parle de Joseph et tout ça. Je pense qu'il révisait tout le temps la vision. Il parle de la vision. C'était fort en lui. Et ça criait plus fort que peut-être les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Mais tu sais, je peux encore aller plus loin. Parce que certaines personnes vont dire que, en fait, notre mindset, s'il est façonné dès notre enfance, et si dans notre enfance, il y a un mauvais système de pensée. Donc, en fait, on est victime et c'est normal qu'on ait ce mindset. Mais je peux aller plus loin. Je vous assure que dans l'esprit humain, il y a ce qu'on appelle la conscience. Et la voix de la conscience nous dit souvent lorsque le système de pensée de notre famille est mauvais. La voix de la conscience nous dit souvent lorsque le conseil ou l'éducation qu'on nous donne est mauvais, en fait. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a quand même créé l'homme avec son souffle à l'intérieur. C'est quand même le souffle de Dieu, vous comprenez, qui anime l'homme. Et moi, je me rappelle d'une chose vraiment qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle que quand j'étais jeune, mon père, en fait, avait décidé que je devais pas faire la vaisselle ni les tâches ménagères. Et donc, il disait, non, les garçons ne font pas ça. Le prince. Bon, toi aussi. Moi, c'est tout. Les hommes ne font pas la vaisselle, ils ne font pas à manger. Ils ne font pas tout du tout. Voilà. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait quelque chose au-dedans de moi qui me disait que ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon déjà parce que j'avais l'impression que, en fait, la vie n'était plus comme ça. Je le sentais. Je regardais autour de moi. Je disais, non, mais la vie n'est plus comme ça, en fait. Si je ne sais pas faire la vaisselle, quand je serai seul, comment je ferai? Si je ne sais pas cuisiner, si je ne sais pas tenir une maison, quand je serai seul, comment est-ce que je ferai? Mais qu'est-ce qui me faisait penser ça?
La vérité, c'est la voix de ma conscience. Quand j'étais là tout seul, j'entrais en moi-même et la voix de ma conscience me disait non, tu dois le faire. Mais ça se tient, apôtre, parce que lorsque Adam et Ève vont pécher, personne ne dit dans la Bible qu'on leur a dit non, ce que vous avez fait est tellement mauvais, allez vous cacher. Ils sont partis se cacher. Tout seul, tout seul, en fait. C'est vrai. Et c'est eux-mêmes qui ont dit non, en fait, je savais que ce que j'ai fait n'était pas bon. C'est donc ça. En fait, la conscience va parler parce qu'elle est là à l'intérieur de nous. En fait, c'est même pas forcément une question de non, j'ai été éduqué à faire ça ou à faire. Même les meurtriers, en fait, au début, lorsqu'ils commencent à tuer, ils vont savoir au-dedans d'eux que ce qu'ils font n'est pas bon. Et c'est là où j'aime bien ton livre, apôtre, comment entendre la voix de Dieu, parce que tu vas parler du fait de préserver la conscience. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a qui tuent leur conscience. Et ce livre-là m'avait choqué parce que moi, à l'époque, je me rappelle avoir tué ma conscience sur certaines choses. Sur le fait de voler, au début, j'avais peur et je me suis dit non, tu ne dois pas avoir peur. Véritablement. Et je sais qu'en ce moment-là, j'étais en train de tuer ma conscience après avoir lu le livre. Ça a vraiment mis de la lumière sur ce que c'était passé ce jour-là et sur même bien d'autres choses. Et je pense que c'est important que nous puissions revenir aussi sur ce genre de choses parce qu'on voit des fois des païens qui ont des comportements corrects, pourtant ils ne sont pas chrétiens. On se dit, comment ils font ? Leur conscience. Dieu est là pour parler aussi. C'est là où l'apôtre, on avait parlé de l'âme. On voit quand même l'important de l'âme. En fait, la conscience peut être là, dans l'esprit. Ça fait partie des organes de l'esprit. La conscience peut parler, mais la volonté, nous n'oublions pas quand même, est dans l'âme. Je pense que c'est pour ça que la confession est importante. Parfois, la conscience peut dire, comme tu as dit, l'important peut-être de faire la vaisselle, certaines choses qui sont évidentes. Notre esprit, quand même, certaine lumière nous montre que voilà, ça, c'est le bon sens. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'ai une volonté forte dans mon âme pour acheminer ce qui est dans mon esprit. D'où les confessions, beaucoup de gens, leur esprit leur parle. C'est pas pour autant qu'ils vont faire ce qui, comme tu dis, le fait de faire la vaisselle. Moi aussi, ça me rappelle. Ma mère, à 11 ans, me disait, quand tu iras au collège, tu vas aller seul. Il faut que tu commences à faire laver ton vêtement. Je n'oublierai jamais ça. J'avais 11 ans, j'allais en 6e. Et tout ça me dit, non, il faut toujours laver. Effectivement, je me suis retrouvé seul. Mais comme j'avais commencé à faire ce qu'elle me disait, j'ai pris cette habitude-là. Mon âme s'est habituée à le faire. Donc, parfois, l'esprit peut donner des étincelles, une certaine illumination. Mais si on ne bat pas peut-être les forteresses, les mauvaises prédispositions dans l'âme, l'esprit va parler, mais l'âme ne va pas suivre. C'est vrai. Et on va rester coincé, on ne va pas évoluer. Non, on vous parle de ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, non, mais pasteur Alain Patrick, tu parles du bon système de pensée, tu dis souvent que tu es né dans une famille chrétienne, c'est normal que dès le jeune âge, tu aies eu le bon système de pensée. Moi, j'ai grandi dans une famille comme ceci, comme cela, mais on vous dit, au-dedans de vous, il y a la conscience. Il y a la conscience. Donc, la vérité, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et même si vous avez grandi dans une famille comme ça et que votre système de pensée est devenu mauvais, on vous donne la possibilité de le changer à travers la parole de Dieu. Mais ça, c'est une décision. Et c'est là où, pour rejoindre aussi ce que le pasteur Isaac est en train de dire, en fait, il y a aussi le fait qu'on sait que c'est une bonne chose, mais on a du mal à le faire. Et cela, maintenant, on va peut-être introduire ça. Ça va être maintenant dans le subconscient. C'est-à-dire qu'au niveau des paradigmes, c'est-à-dire le système de pensée que nous avons qui nous pousse à faire les choix que nous faisons. C'est par exemple, il y en a qui ont été éduqués en leur disant « les blancs sont riches » ou bien « les blancs sont méchants » ou « les noirs sont mauvais » machin. Et du coup, même si la personne qui a grandi avec ça, même si elle essaye d'aller à l'encontre de cette idée, elle aura du mal en fait. D'où justement la parole de Dieu, gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu va venir et réussir à déraciner toutes ces choses-là. La parole de Dieu va réussir à détruire toutes ces forteresses en la confessant, comme le pasteur Isaac disait. Et je pense que c'est vraiment important qu'on réalise que des fois, on peut vouloir faire certaines choses qui sont bonnes, mais avoir du mal à le faire. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon. Et d'ailleurs, on va poser la question, on va te dire, mais tu savais que c'était pas bien. Tu dis oui, mais pourquoi t'as fait ? Eh ben, je sais pas. Et le lendemain, tu vas refaire la même chose. Pourquoi t'as fait ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à refaire la même chose. Et c'est là où ça va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Le but de Dieu, c'est nous communiquer sa parole dedans de nous afin qu'automatiquement, nous puissions faire ce qu'il veut, sa volonté en fait. Et j'ai remarqué aussi, l'apôtre, beaucoup de gens n'osent pas confesser le changement, la transformation qu'ils veulent. Et c'est comme ça également, ce qui est dans l'esprit n'arrive pas à être acheminé, se matérialiser. Beaucoup de gens ont du mal à se dire,
Voilà ce que je veux devenir. Mais parce qu'ils sont, ils regardent à ce qu'ils sont tu vois, maintenant. En fait. Ils regardent oui, à ce qu'ils sont maintenant, peut-être à leurs erreurs, à leurs limitations, à ce qu'ils n'osent pas faire. Mais tant qu'ils ne confessent pas ça, c'est comme un peu aller dans le sens, peut-être des défauts qu'ils ont c'est à ça, l'intérieur. Et ça, c'est mauvais. Il faut être devant le miroir et dire, par exemple, si tu n'es pas dans l'abondance, commencer à dire... Je suis riche, mais c'est comme ça. Beaucoup de gens, mais c'est curieux, ils n'osent pas. C'est comme s'ils défendent les défauts. Or, si tu ne confesses pas, tu ne pourras pas être transformé. Excuse-moi, apôtre, pour ajouter par rapport à ce qu'ils disent, parce que beaucoup de personnes ont une mauvaise conception de qui ils sont. Ils pensent qu'ils sont un corps. Oui. C'est-à-dire, ils se regardent dans le miroir et ce qu'ils voient, ils pensent que c'est ce qu'ils sont. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui pensent que leur concept, leur caractère, c'est ce qu'ils sont. Et ils vont dire, non, mais je suis comme ça. Non, en fait, ce que tu es là, c'est le fruit de ce qui a été installé au-dedans de toi. Ce qui veut dire que ça peut changer, en fait. Et la Bible va nous dire que celui qui est faible dise, je suis fort. La Bible n'est sûrement pas en train de dire que les faibles soient des menteurs. Il n'est pas en train de dire que les pauvres disent qu'ils sont riches pour mentir, non. Mais ils doivent déclarer ce qu'ils veulent voir. Et c'est là où on doit apprendre à regarder à la parole de Dieu et à voir selon la lumière de la parole de Dieu et décider de dire, je suis bon, je suis gentil, je suis doux, sur la base de ce que la parole de Dieu dit et non sur la base de ce que nous croyons de nous-mêmes ou ce que les gens disent de nous. Et ça, ça demande quand même un effort assez particulier parce qu'il faut... comme le pasteur Grasse disait la dernière fois, il faut réussir à douter de soi-même. C'est-à-dire à se remettre véritablement en question. Douter de son doute. C'est-à-dire se dire, bon, je fonctionne comme ça, je parle comme ça, je fais ci. La parole de Dieu me dit que ce n'est pas bon. Donc, je décide de dire que cette façon de fonctionner n'est pas la bonne. Je ne peux pas juste me dire, je suis comme ça. Et non, c'est là où, justement, les personnes qui n'ont pas la parole de Dieu, c'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas de référentiel. Ils vont rester dans un certain mensonge. Il faut vraiment... La parole de Dieu est vraiment notre référentiel. Je pense qu'après, on peut les laisser. On va les laisser. C'est vrai que la parole de Dieu est vraiment notre référentiel, la parole de Dieu de prendre conscience, de nous rectifier, de renouveler les choses. Mais il faut confesser la vie. Comme on avait dit à l'autre émission par rapport à la force intérieure, beaucoup de gens pensent que quand ils disent ce qu'ils ne voient pas naturellement, ils sont en train de mentir. Mais non, ils parlent la vérité qui est dans leur esprit. Dieu dit que nous sommes la gloire de Dieu. Notre esprit est rempli de gloire. Et c'est ce que nous devons parler. Ça, c'est la vérité. Quand on le parle, ça va finir par déteindre sur nous. On va leur parler de ça. On a plusieurs émissions encore où on va leur parler de ça. Pour le moment, on va leur expliquer un peu les mécanismes des pensées. Comment ça se construit, comment machin. C'est important que vous compreniez que les pensées sont extrêmement puissantes. La Bible va dire quand même dans Proverbes chapitre 23, dès le verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Et là, on comprend alors qu'un homme peut être comme les pensées de son âme. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prendre vos pensées au sérieux. Les pensées sont tellement fortes que la Bible va appeler ça les forteresses. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont tellement forteresses. Attendez, vous savez, pour prendre une ville, il faut prendre les forteresses de cette ville-là. Vous voyez ça? Dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ça, on va leur parler de ces armes-là dans une prochaine émission. Pour renverser les forteresses. Et ces forteresses-là, c'est quoi? Ce sont les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je sais pas si je peux avoir au moins la parole. Vas-y, je t'en prie. Désolé. Vas-y, je t'en prie. C'est très fort ce que tu es en train de dire parce qu'il dit nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que les raisonnements ont une force qui peut même s'opposer à la connaissance de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que lorsque les raisonnements sont tellement ancrés, il peut arriver un point où, lorsqu'on annonce même la parole de Dieu, les raisonnements viennent faire barrage et viennent... Tout à l'heure, je parlais des traditions et on peut même aller plus loin en parlant de l'éducation. C'est pour ça que Salomon va dire dans le livre des Proverbes, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Exactement. Pourquoi ? Parce que
l'éducation que nous allons même avoir en rapport avec la parole de Dieu peut nous aider plus tard à être, avoir des prédispositions concernant la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que 2 Timothée 3, au verset 16, va nous dire « Toute écriture est utile et inspirée de Dieu pour faire quoi ? Pour nous éduquer, nous instruire. » Ça. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu arrive, si on l'accepte, elle va nous éduquer. Mmh. Elle va mettre en nous un système de pensée qui va faire en sorte que même nos parents, certains mauvais concepts qu'ils ont semés en nous vont être déracinés au point où même nos parents ne vont plus nous reconnaître. C'est ça, que c'est ça. C'est des fois, nos parents nous regardent et disent mais en fait, je ne te reconnais plus parce que la parole de Dieu nous a éduqués de sorte à ce que la personne que nous soyons soit une nouvelle personne. Exactement. Amen. Je comprends pourquoi la Bible nous dit de méditer. Méditer et les forteresses se mettent en place suite à une certaine répétition des choses. C'est exactement ça. Le pasteur gentil vient de parler de l'environnement où on a grandi, des choses qu'on a tout en vue. Mais c'est ce qui crée des forteresses, des raisonnements. Et je pense que quand on médite la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on peut renverser vraiment ces forteresses. Parce qu'on voit certains chrétiens, en fait, qui se plaignent, qui disent « Non, mais c'est difficile, j'essaie de me battre avec, je n'y arrive pas. » Attends. Ça fait 35 ans que tu vis avec. Ça fait des années que tu vis avec. Tu as écouté la prédication dimanche. C'est l'année que tu as décidé de mettre ça en pratique. Alors que ça fait 35 ans qu'on te répète ça, que tu te répètes ça, que tu vis ça. Ça ne partira pas en une semaine. En fait, c'est une éducation. Même déclarer la parole de Dieu tout à l'heure, le pasteur Isaac en parlait, c'est une éducation tous les jours. Et il parlait également de la volonté. Jean 1, verset 12, va nous dire « Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, non de la... Il va citer plusieurs types de volonté. Donc, c'est une question de volonté de se dire que non, je vais confesser ça tous les jours. Et même Josué va nous parler, médite ce livre de la loi jour et nuit. Tant que le chrétien ne comprend pas que je dois méditer cela et le confesser jour et nuit, il sera toujours victime, en fait, de ce qui a été semé par le passé et il ne pourra pas réussir à confesser le contraire, parce que tout le temps, cette image-là ne va faire que ressurgir. Et avant de te redonner la parole, pasteur, c'est, je crois que c'est déjà au pasteur Marius. En fait, le pasteur Isaac a parlé de la méditation parce que, en fait, la méditation va amener la répétition. Exactement. Comme on t'a répété ces choses-là dans ton enfance, tout comme tu t'es répété ça dans ta tête, tout comme tu as vu tout autour de toi les gens répéter ça, il n'y a que la répétition, c'est-à-dire la méditation qui va réussir à renverser ça, en fait. Amen. Et les gens ne se rendent pas compte que parfois, c'est pas qu'on essaye d'abattre un seul arbre, en fait. C'est comme une fois. Et n'oublions même pas d'autres graines qui peuvent essayer d'être se planter aussi. Parce que parfois, effectivement, on coupe, mais il y a d'autres qui poussent encore. Et c'est vrai, je me rends même compte qu'un arbre, en fait, des fois, il va avoir des fruits qui vont tomber de même, c'est qui vont déjà préparer. C'est d'où la pensée qui s'autogénère. C'est ça. Et, en fait, et là, tout à l'heure, quand le pasteur Gentil parlait, en fait, j'ai pensé à l'histoire de la tour de Babel. C'est-à-dire que les gars avaient décidé de faire une tour, d'aller jusqu'au ciel, et Dieu a dû venir pour confondre les langues. Mais le fait d'avoir le même langage, c'est qu'on a la même pensée, en fait. Mais le fait qu'ils avaient la même pensée, Dieu s'est dit, cette pensée va réussir à les pousser jusqu'au bout de leur objectif. Donc, il fallait qu'ils trouvent un moyen pour confondre leur langage, afin de confondre leur pensée, en fait. Parce que la pensée est vraiment capable de te ramener très, très, très loin. C'est ça. D'où le fait que la Bible va dire, en fait, que c'est Seigneur Jésus qui parle. Je parle souvent de ce passage. Marc 11, 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Donc la personne doit dire, visualiser un concept et ne pas douter dans son cœur. Autrement dit, la pensée doit être ferme. À partir du moment où la pensée est ferme, la chose finira par se manifester. C'est une question de temps. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse comprendre, comme le pasteur Gentil disait, que la pensée, non seulement elle est puissante, mais que Dieu lui-même considère que la pensée, elle serait capable d'être au-dessus de sa pensée à lui. Tout dépend, en fait, de qui a semé la pensée. C'est-à-dire que notre âme a la capacité de
pousser cette pensée très loin, en fait. Non, mais faut pas, non, faut pas blaguer avec les pensées, parce que les pensées sont puissantes, parce que la Bible dit qui se lève contre, ça veut dire que si on ne décide pas de mettre les pensées de Dieu devant, les mauvaises pensées peuvent être au-dessus des pensées de Dieu et générer les conséquences afférentes à ces mauvaises pensées. C'est là on voit vraiment, ça génère une force. Amen. C'est là on voit la notion d'intensité et des pensées qu'on a là. Et c'est pour ça que Colossiens 3, 16 va dire que la parole de Dieu habite en vous richement. Donc il faut vraiment beaucoup de paroles pour renverser la tendance. Et ça, il y a déjà ça, mais Dieu veut, comme le pasteur Gentil parle de la méditation, Dieu veut qu'on maintienne ça. Parce qu'on peut se dire, tiens, j'ai renversé ça, mais ça ne suffit pas. Parce que ce que j'ai remarqué, l'âme aura toujours tendance à rappeler quand tu ne prends pas les bonnes pensées. C'est extrêmement important. L'âme fonctionne d'une certaine façon. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut, il prendra, mais malheureusement, je ne sais pas quel est votre esprit. Prends ce qui est négatif. C'est un peu malheureux. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Mais c'est l'idée de la terre, en fait. C'est trop bizarre. C'est comme la terre. C'est que rien. Les mauvaises herbes vont pousser naturellement. Naturellement. Donc, ça veut dire que si tu ne traites pas le sol, si tu ne mets pas des produits pour traiter le sol, si tu ne mets pas une certaine protection, et qu'il n'y aura rien qui va. Enfin, les mauvaises herbes vont pousser. D'où le fait qu'on doit vraiment, c'est un travail. Comme tu disais, ça ne vient pas comme ça. C'est un travail que d'avoir une bonne façon de penser, parce qu'on doit s'auto-éduquer par la parole de Dieu. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard que David puisse dire « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Je pense qu'à un moment donné, son âme a tellement parlé qu'il a dû verbaliser. Il a dû verbaliser cela pour que son âme puisse s'aligner. En fait, il y a des moments où les gens doivent comprendre que les pensées ont une force. Lorsque les pensées arrivent avec une force... On va parler justement de ça, des forces des pensées. Des forces des pensées. C'est comme certaines personnes qui vont se dire « Non, mais j'arrive pas, par exemple, à arrêter quelque chose comme la masturbation. » En fait, ce que tu vas mettre devant tes yeux, et le psalmiste va le dire dans le psaume 101 au verset 3, il va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. » Il va dire « Arriver jusqu'à la haine de ces pensées-là. » Pourquoi ? Parce qu'il sait que déjà le fait de mettre quelque chose de mauvais va entretenir ce système de pensée. Ça va arriver avec une telle force que même si tu confesses, mais tu n'as pas confessé au dernier moment. C'est pas lorsque l'envie arrive que tu dis « Non, non, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. C'est trop tard. Il y a le fruit qui sort et tu dis « Non, il n'y a plus d'arbre. » En fait, c'est pour ça qu'on parlait justement d'entretenir cela, de le dire continuellement. Pourquoi ? Parce que lorsque la pensée négative va arriver, elle va être contrecarrée par la pensée de la parole de Dieu. Parole de Dieu va faire barrière. La parole de Dieu peut être aussi une forteresse contre les mauvaises pensées. Lorsque les mauvaises pensées arrivent, la parole de Dieu devient une forteresse positive. C'est une forteresse positive. Non, c'est important de comprendre ce qui donne de la force aux pensées. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à résister aux mauvaises pensées? Parce que les mauvaises pensées viennent avec une force. Et c'est important d'identifier ce qui donne de la force aux pensées. Il y a déjà les émotions. Les émotions donnent de la force aux pensées. Il y a les blessures. C'est vrai. Quand tu as une blessure, tu as du mal à penser le contraire parce que ta blessure crie plus fort. Il y a aussi l'environnement, en fait, l'argumentation de ce que tu vois. Tu as tout simplement du mal à penser le contraire parce que tes yeux voient ça, en fait. Et ça donne de la force aux pensées de doute. Ça donne de la force aux pensées de doute. Mais il est paralysé. Vous me dites qu'il est déjà guéri. Il ne bouge pas. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai machin. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui va donner de la force aux pensées de Dieu. Ça me fait penser à Abraham. Abraham avait du mal à conceptionnaliser le fait qu'il puisse avoir des enfants. Il dit « Ah, je suis vieux. » Conceptionnaliser, ça, c'est un proverbe. C'est un néologisme. Voilà, on te le concède. Ok, on y va. Merci. Abraham avait du mal à conceptionnaliser. C'est mieux concept. Conceptualiser. Il avait du mal à conceptualiser le fait qu'il puisse avoir des enfants. Pourquoi? Il est vieux,
Deuxièmement, il n'a jamais eu d'enfant, donc il n'arrive même pas à concevoir le fait qu'il puisse avoir un enfant qui lui appartient. Mmh. En plus de ça, il est stérile, etc. Mmh. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner des images pour développer sa pensée. Mmh. Ensuite, il va tout faire pour installer une forteresse positive en disant que tu t'appelles Abraham et ta femme, c'est Sarah. Comme ça, tous ceux qui sont autour vont aussi travailler à cette forteresse positive. Dans le seul but de lui donner la capacité d'avoir ce qu'il veut. En fait, Dieu a créé une force positive, parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de forces négatives. Mm-hmm. Et c'est comme ça que la Bible va dire, en fait, espérant contre toute espérance. Autrement dit, contre tout type de pensée, tout type de parole qui venait de l'extérieur, il a décidé de voir les choses différemment, par la force justement de la vision que Dieu lui a donnée. Et quand on parle de la pensée, c'est important également qu'on reconsidère vraiment l'âme, quoi. Tu es bien assis, ce côté de... tu vas vous savez... donner un coussin. Hein. On amène une pina colada aussi. Là, que... Je pense que... Et c'est pour ça qu'on doit vraiment... Non, du gingembre, je pense. Ah ouais. Non, c'est l'eau, c'est mieux. C'est là où on doit vraiment considérer, en parlant de la pensée, considérer l'intellect et le subconscient. Je pense quand on met surtout la parole dans le subconscient, ça va déterminer beaucoup de choses. Je pense même quand tu parles du mindset, la sagesse, tout est lié au subconscient. Je pense quand on arrive, d'où la confession. Hein. Moi, je sais que quand j'ai bien confessé, en tout cas, on n'a même pas besoin de... Les paroles sont rentrées dans le subconscient et les vibrations, l'énergie... Comment tu vas réagir aux situations est lié à ça. Je pense que c'est surtout ce que les internautes doivent comprendre. Tu as cité un point que j'aimerais bien aborder. Tu parlais des émotions. Tu as dit que les émotions ont une force donnent la force à nos pensées. Merci. En fait, les émotions, lorsqu'elles arrivent, elles s'imposent. Et c'est pour ça qu'il faut les discipliner, en fait. Dis ça bien. Parce que les émotions s'imposent. C'est pour ça qu'il faut les discipliner. Sinon, vous allez devenir une émotion qui a un esprit et qui vit dans un corps. L'esclave de ses émotions. Oh là là. En fait, pasteur. C'est important ce qu'il dit là. Les émotions peuvent arriver de manière brusque. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de discuter avec quelqu'un. C'est des impulsions. Ce sont des impulsions. Et tu sens tout de suite que ce qu'il te dit te pousse à te mettre en colère. Ça t'énerve. Et tu ne comprends pas pourquoi tu t'énerves autant. Et tout le monde autour de toi, tu ne comprends pas pourquoi tu t'énerves autant. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a juste dit ça. Mais en fait, des fois, certains mots vont même faire écho à certaines émotions. Parce qu'en fait, comme ce mot-là, tu l'as entendu durant toute ta jeunesse, en fait, moi, j'avais remarqué que, par exemple, dans notre éducation, on a souvent tendance à dire « Oui, mais tu n'as pas vu que tel a eu 17 de moyenne et toi, tu as eu juste 15. » Et du coup, à chaque fois qu'une personne me comparait à quelqu'un, j'avais ce sentiment-là tout de suite. Je m'énervais, en fait, lui, c'est lui et moi, c'est moi. Et les gens autour ne comprenaient pas pourquoi ça m'énervait autant. Mais c'est lié justement à mon passé, parce que les émotions sont liées justement à l'âme. Et c'est ce qui est... Et ça, c'est remarquable avec l'âme. L'âme a vraiment cette capacité-là d'arriver à faire une correspondance entre une circonstance et quelque chose qui est dans le subconscient. Et c'est ce qui crée effectivement les vibrations, comment on va réagir, quoi. D'où vraiment ce travail de l'insister. Tu as maintenant des thèmes de psychothérapeute, les vibrations. Non, mais c'est vraiment, mais je pense que c'est vraiment tout est... Les vibrations. Et toi, il va dire, faites le silence dans vos pensées. Laissez les zones positives. Parce que je pense mais tout est question. Ouais. C'est sûr qu'on parle thème de vibration et tout ça, mais c'est le type d'émotion. Non, je comprends. Je comprends. Parce qu'en fait, c'est ce qui produit les émotions ne sont pas lors de la volonté. C'est quelque chose qui est programmé au-dedans de nous. Ça soit des bonnes émotions également, comme l'apôtre dit souvent. Des émotions toxiques sont liées au fait que soit des pensées négatives sont enfouies. Et quand on a peut-être une situation, on entend un truc 17-15 de moyenne, l'âme va tout d'un coup prendre ça et faire une correspondance avec la situation et nous faire vivre certaines émotions. Et pasteur Isaac, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, excuse-moi, pourquoi ils se mettent tout le temps en compétition avec les autres. En fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est lié aux émotions et à l'écho de ce qu'il y a eu dans le passé. Ça, très souvent, en fait, ça va se manifester naturellement. On va dire, non, mais tel
est en train de grandir. Mm-hmm. Tu n'as pas vu lorsqu'il prêche, mm-hmm. c'est édifiant. Mm-hmm. On n'est même pas en train de parler de toi. Mm-hmm. D'un seul coup, tu te sens concerné. Mm-hmm. Tu dis, ouais, mais moi aussi, quand je vais prêcher la prochaine fois, il faut que je fasse mieux que lui. Ça devient même instinctif. Ça devient instinctif. Alors que ça n'a rien à voir. Tu peux te réjouir de ce qui arrive dans la vie de l'autre, mais pour ça, il faut faire éduquer ses émotions. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit, pasteur Darius a bien prêché. Effectivement, il a bien prêché. Amen. En étant sincère. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, c'est ça. Et pour revenir à ce qu'il est en train de dire, parce que ça va bien plus loin que ça, parce que je me rends compte que tout à l'heure on parlait de paradigme, je parlais de paradigme, c'est que en fait lorsqu'on est petit, en fait notre, c'est comme si notre âme est vierge et tout peut être planté bien à ce moment-là. En fait. À partir du moment où, où c'est mal planté, ça va grandir et ça va donner un fruit qui est aussi particulier. Il suffit que une personne nous ait comparé, et ça peut arriver aussi des parents qui disent, oh mais attends, mais ton frère est mieux que toi, ou bien mais regarde lui, il a fait ça, toi t'as pas réussi, ou non machin. Et du coup, l'enfant grandit avec ces concepts-là. En fait. Et ce qu'on ne se rend pas compte des fois, c'est que l'âme ne fait pas du nettoyage. Non. Il conserve tout. Et du coup, en ayant conservé tout, il conserve même des mauvaises choses, même les mauvaises conceptions. Du coup, si on ne fait pas le travail de nettoyage pour enlever toutes les mauvaises conceptions, des fois qui peuvent être tellement enfouies, on les confond avec notre personne. En fait. Où on croit que nous fonctionnons comme ça. Alors que je disais tout à l'heure en backstage qu'en réalité, nous ne sommes pas forcément ce que nous croyons être tant que la parole de Dieu ne nous a pas décrit qui nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de ce que nos parents ont dit, de ce que notre famille a dit, la société a dit. Même le nom que tu portes, c'est quelqu'un qui te l'a donné. La personne a dit, bon, toi, allez, tiens, Jean, allez, prends ça comme ça. Donc, mais ça veut dire que tout ce que tu as, même ta conception, c'est les gens qui ont décidé de donner. Or, les gens qui t'ont donné ça, c'est déjà des gens blessés et frustrés qui aussi ont reçu des conceptions. Depuis des années, qui leurs parents aussi ont reçu des conceptions. Du coup, tu te retrouves être le fruit des frustrations et des mauvaises conceptions. Et tu es là, et du coup, tu comprends pas pourquoi tu réagis comme tu réagis. Parce qu'en vrai, tu t'es pas vraiment découvert. D'où la parole de Dieu qui nous aide à mettre en lumière qui nous sommes vraiment, comment nous sommes censés nous comporter. D'où la Bible a dit. Il veut qu'on le laisse. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est un sujet qui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que. Tu pourras aussi conclure l'émission parce que le temps est passé. Il faut que tu crées ton concept. Tu profites à conclure en même temps. Parce que là, t'as plus beaucoup de temps, là. Tu vois. En fait, c'est que. Maman, il a explosé le chrono, là. Bon, laisse-moi placer une quand même. Non, parce qu'en fait, bon, j'ai beaucoup souffert de ça. Pourquoi ? Non, mais j'ai beaucoup souffert parce que j'avais tellement de conceptions, en fait, au-dedans de moi, par rapport à la guerre, par rapport à qui je suis, etc. Et le fait d'avoir accepté le Seigneur, j'ai compris que je pouvais créer la vraie personnalité de qui je suis vraiment, en fait. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Ils pensent qu'ils sont au bout de leur vie, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, alors qu'il y a toujours une chance en Christ. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas au bout de votre vie. Vous pouvez donc recréer votre monde comme le pasteur Darius et comme les hommes de Dieu ici. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentant juste en bas du player si vous regardez cette émission à travers YouTube. Si vous avez aussi des questions par rapport à tout ce qui s'est dit, vous avez votre opinion sur ce qui s'est dit, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Gloire à Dieu, nous sommes en train de parler des pensées. Je dis nous sommes parce qu'on est dans une très grosse série sur les pensées. On n'en a pas encore fini. Donc si vous n'avez pas regardé l'émission précédente, on vous invite à le faire sur notre chaîne YouTube Évangile TV. Sinon, on va continuer sur le thème, sur les pensées. Amen. Et vous allez être encore bénis. Si vous avez aimé cette émission, on vous invite à devenir partenaire de la chaîne Évangile TV en faisant un don, en allant sur le site ou en nous écrivant au 06 36 91 21 74. L'indicatif, c'est plus 33. Je vous dis à bientôt.